Salut, salut, bienvenue dans cette nouvel épisode des streams pour Kubernetes The Hard Way. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme après ce week-end. Salut à toi, Rancune, j'espère que ça va. Alors, moi, je suis un peu à l'arrache ce week-end. J'ai eu un week-end un peu occupé. Donc, pour celles et ceux qui prennent le train en marche, en gros, l'objectif, c'est de faire fonctionner ce qu'on appelle Kubernetes The Hard Way. Et en gros, qu'est-ce que c'est? Eh ben, j'en ai causé avec quelqu'un cette semaine. Et ce qui est marrant, c'est que la conclusion, en fait, c'est que Kubernetes The Hard Way, c'est à Kubernetes ce que Linux from scratch est à Linux. Donc en gros, c'est très bien pour apprendre, mais c'est pas fait pour de la prod. Et je suis assez d'accord. Mais justement, le but, c'est d'apprendre. C'est d'ailleurs pour ça que je fais ce truc. Salut à toi, OX0X5642. J'espère que tu vas bien aussi. Oh, devant un bon stream. Oh, rancune, fallait pas. Je vais en profiter d'ailleurs tant que j'y suis pour remercier dès à présent. Je vais en profiter pour remercier chaleureusement CamHQ qui a sub avec son Prime un peu plus tôt dans la journée. Merci à toi, CamHQ, pour le sub Prime. C'est très gentil. C'est l'occasion d'ailleurs de signaler et de rappeler que si vous avez un abonnement Amazon Prime en cours de validité, eh bien sachez que vous pouvez offrir un sub par mois à votre créateur préféré. Ça ne vous coûtera pas plus cher et il vous suffit de tout simplement d'associer votre compte Amazon Prime à votre compte Twitch. Et merci aussi à RizJack qui vient de se resouscrire, qui vient de faire un resub. Ça fait 3 mois, RizJack, que tu me subs. C'est super gentil. Merci beaucoup. Ça me tend de soutien, ça me fait plaisir. Et hello à toi aussi, d'ailleurs. J'espère que tu vas bien et que tu as passé un excellent week-end. Alors, je ne sais pas si c'est forcément le bon moment pour vous demander ce que vous avez fait de votre week-end. J'essaye pendant ce temps d'essayer de me connecter à l'environnement pour Kubernetes. Parce qu'il a l'air d'être un peu kiblo ce soir. Ah bah oui, vous êtes entre gens qui vous connaissez, on dirait, entre Rancune et RizJack. Alors ça veut toujours pas. Bon. Qu'est-ce qui se passe alors? C'est chelou ça. Alors c'est marrant parce que j'ai un petit souci avec mon petit Terraform et il me dit au fait il y a un souci alors que pourtant il me dit que la syntaxe est valide. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager l'écran, hein, tant qu'à faire, comme ça, au moins, vous, à défaut de voir des choses intéressantes, vous verrez mes galères. Alors, hop. Alors, je vous demande un petit instant d'abord. Hop. Je pensais pas que je ferais du Terraform au lieu de faire du Kubernetes. Hop. Init moins upgrade juste par précaution. Ok, là, on est bon. Plan moins out égale. Plan.out. Voilà, donc il se viande, mais si je fais un Terraform validate sur la syntaxe, il me dit au fait la configuration est valide. Et normalement, hop, pas mon tf state, tf vars, hop, alors,
en toute logique, j'ai dû utiliser ça, ouais, vu que j'ai bien utilisé la distrib Ubuntu. Alors, mes machines ont démarré, en fait, c'est juste que, pour l'anecdote, j'ai... Donc, la petite explication, c'est que donc, les machines du cluster Terraform, elles sont, enfin, du cluster Terraform, du cluster Kubernetes, elles sont là. Elles sont là, elles sont allumées. Est-ce que son petit Marvin qui est là, sous le bureau, sur le gros serveur que j'allume pour faire le home lab. Mais je sais pas pourquoi, j'arrive pas à me loguer en local. Et alors que pourtant, voilà quoi, hein, on peut difficilement faire plus bateau qu'un user et un password qui est password. Mais sauf que j'ai paumé l'IP. Alors si jamais je vais tenter un truc à la con. J'ai envie de dire, je vais me reverse engineer mes propres trucs. Hein, 10.42. A priori, ce serait celle-là. Ou pas. On va aller je vais les faire fouiller dans mon history. Alors volontairement, je vous montre pas l'history, parce que des fois il y a des choses perso. Je crois me souvenir que j'avais moyen de me connecter sur là, je crois 171. Alors, peut-être essayer d'autres machines, ça se trouve. Alors, console, série. Bon, je suis bien en clavier QWERTY. Et nope. Bon. Alors, je sais pas pourquoi, mais la console... Alors, il y a un texte console 2. Non, il en veut toujours pas. Sympa. Le stream commence bien. On va s'en sortir, hein. On va être optimiste. C'est bien 40. Ah, c'est 10240. Bah voilà, c'est pour ça aussi. Je cherche pas les bonnes IP. Y a personne qui suit ce soir, hein. Bah alors, vous suivez ou pas? Ah voilà, 10240. 0137. Et le proxy jam, je l'avais mis dedans. Ok. Donc, si je fais un petit SSH vers le... Normalement, il proxy... Voilà. Là, on est sur node 1, par contre. Mais si je fais un ping de node 0.manynodes.local... Hey, merci beaucoup pour le follow, CubsFR. Merci à toi, c'est très gentil. C'était pas maninas.local. Ça, c'est le node 1. Bon, on va essayer les autres IP que j'ai dans le... Je pense si j'avais pas la 137. Si, la 137. Hop. Voilà, le node 0. Alors, ce que je vais faire, c'est que, histoire de pas perdre de temps pour la prochaine fois, je vais tout de suite faire une petite conf SSH. Host, on va l'appeler node 0, comme ça au moins je saurai que je peux l'appeler par son nom. Son IP du coup c'est bien la 137. Hop. Host name. Voilà. Non, pas ça. Voilà. Et ensuite, et eh ben user Nils, l'identity file, il est bon. Et on va rajouter le petit proxy jump par la machine Marvin. Hop. Parce que donc, c'est l'occasion de signaler que en fait donc ces machines virtuelles sont dans leur propre sous-réseau. Hop, je vais vous montrer ça ici à l'écran. Remarquez, ce sera peut-être mieux si je vous le montre en texte parce que le texte sera plus gros. Hey, merci. Oh, The Bidouilleur, merci à toi pour le sub. Ah, c'est très gentil. Merci, merci. C'est très gentil à toi.
The Bidoyer qui est au passage, si je dis pas de bêtises, hop, que je te confonde pas avec un autre. Est-ce que c'est avec toi qu'on a discuté sur le chat Discord il n'y a pas très longtemps? Hop. Ah bah si, 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 si. Alors The Bidouilleur, voilà, The Bidouilleur, qui est adorable, qui non seulement il sub, mais en plus, je vais vous montrer. Alors, je vais retrouver là. Hop, là. Alors... Justement, j'étais en train de trifouiller dans mon Many Nodes à l'instant. Justement, pour vous montrer là où j'en étais. Et en fait, nouvelle fenêtre, ce sera pas mal. Hop, voilà. Donc, ça, c'est le projet qui m'a permis donc, de déployer assez rapidement les machines virtuelles pour faire Kubernetes The Hard Way. Et si on va dans les pull requests, eh ben, on a un gentil monsieur qui nous a fait une petite pull request avec des commits. Alors, voilà. Alors, c'est en attente hein, pour le moment. Je vais regarder ça un peu plus précisément quand j'aurai un peu plus de temps. Il a commencé à contribuer. Et ça, c'est chouette. Moi, ça me fait vachement plaisir. Et en plus, derrière, tu subs. Donc, c'est fantastique. Merci pour ton soutien. Merci pour ton aide. Et donc c'est l'occasion de rappeler que voilà, quand je produis des codes, je les produis en open source, je vous les mets à dispo sur GitHub, la plupart du temps en tout cas, je fais en open source et je mets sur GitHub. Donc n'hésitez pas, si vous voyez des améliorations, ça fait partie du jeu de l'open source que de s'entraider et j'accepte les pull requests avec plaisir. Et The Bidouilleur qui nous dit c'est encore très brouillon, mais les modules sur Terraform, ça simplifie beaucoup. Mais il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Je prétends pas que mon code est parfait, mais je suis ravi de voir que ça intéresse des gens qui se disent tiens, on peut peut-être améliorer les choses. Donc franchement, ça me fait très plaisir. Donc n'hésitez pas. Moi, je sais que je crois que c'était Manon. C'est Manon qui voulait faire des améliorations sur un autre truc que j'avais mis en ouvert, qui était justement mes TP serveur Linux pour débutants. Donc tout ça pour dire que n'hésitez pas, c'est comme ça qu'on améliore, je dirais, pour tout le monde, ce genre de choses. Donc maintenant que j'ai fait ça, est-ce que je peux me connecter directement SSH node 0. Ouais, super, top, là je suis content. Maintenant je peux faire un petit emux, voilà, hop. Et ce que je vais faire, c'est SSH node 1.many node 1. Je l'avais pas fait avant. Hop. Node 1. Voilà, many node.local. Hop. Non, il en veut pas finalement. Bah pourtant il le. Ce soir, décidément, c'est 10240-01. C'est pour ça aussi que je voulais faire dans mon... alors, hop, je vais me déconnecter. Terraform validate, il me dit que c'est bon. Et je lui fais apply. Normalement, il devrait me dire tout est bon. Mais il me dit, au fait, ça veut pas. Et pourtant, git status, git show... A priori, c'est mon dernier commit. Si je suis un petit git log... Alors, j'y vais un peu vite, là. Désolé. Mais en gros, je me pose la question de pourquoi j'ai une erreur dans mon code Terraform qui fait que je n'ai pas les IP de mes nodes. J'aurais voulu faire un Terraform refresh pour voir les IP de mes nodes. Je me demande s'il n'y avait pas un show quelque chose, Il n'y a pas un truc pour montrer l'output juste directement, mais remarque s'il me chouine qu'il y a une syntaxe qui est pas bonne. Empty list of strings, c'est quand même chelou cette affaire.
suis tenté de vouloir faire sauter tous les trucs de TF State, mais ce serait un peu moche. Ouais, je vais le faire. Je suis pas... Tiens, il y a un lock aussi qui traîne. Allez. On va faire ça. Hop. Par acquis de conscience. Ah non, là, il veut vraiment faire des changements. Ah non, je vais pas lui dire de faire les changements dans ce cas-là. Bon, tant pis. Tant pis, on va s'y prendre autrement. Note 0. Hop. Tenux 1. Ah, et... quand même chelou cette affaire qu'il arrive pas à le... Donc node 1, c'est la 101. Node 2, c'est la 185. Node 3, vous savez quoi? Allez, vi.ssh, on va faire config. Alors, je vais prendre un peu de temps, mais c'est juste que c'est juste pour m'éviter des ennuis lors des prochains lives. Ce serait dommage. Donc, host node 1, hop. On va dire hostname. Donc, on a dit que c'était... C'est bizarre, j'arrive à faire un dig short. Mais le SSH, il en veut pas. Et si je fais un SSH vers la machine... Permission denied. Ah! On va peut-être quitter tout ça, voilà. En moins grand A, c'est pas forcément la panacée. Missing argument. Ah oui, bah oui. Celui-là, c'était node 3. Allez. Ah non, c'est pas ça que je voulais. Hop, voilà. Et... Voilà, c'est bon, on y arrive. C'était un peu laborieux. Mais on s'en sort. Donc, explication. Ah tiens, pendant ce temps, il y a The Bidouilleur qui nous raconte des choses. Alors, je vais terminer ma petite histoire et je regarde le commentaire de The Bidouilleur. Alors, maintenant, on va pouvoir refaire un petit VI, c'est ça, je config. Donc ça, c'est le node 3, mais je voudrais le node 2 et le node 1 aussi. Voilà. Donc, je reprends mon petit dig, hop. Node 1, c'est 101. Je crois que c'est la 185, la node 2. Voilà. 185. Ensuite, node 3, on l'a fait. Node 4. Node 5 et node 6. Donc, 203, 154, 174. Hop. Note 4, on a dit. 10.240.0.203. C'est bien ça, c'est bien ça. Et on a dit 154 et 174. Note 5. Et on a dit ensuite 174. Voilà. Ensuite, SSH node 1, check. SSH node 2, check. SSH node 3, check.
SSH Note 4, check. SSH Note 5, check. SSH Note 6, check. Voilà, parfait. Ça, c'est très cool. L'idée, c'est que donc mes VM sont dans un sous-réseau séparé qui est naté par mon hyperviseur. Donc, je viens rebondir par l'hyperviseur en SSH pour me connecter sur elle. Je suis un gros cochon, j'utilise le moins A qui fait un forward de l'agent SSH pour être tranquille, pour pas avoir à déployer ma clé privée sur node 0. Mais c'est juste pour du local, il n'y a que moi qui accède, donc j'estime que c'est acceptable. Voilà, voilou. Et normalement, maintenant que j'ai ma petite conf qui est faite non seulement sur ma machine, mais aussi sur Node 0, je ne devrais pas avoir à me rappeler toutes les 5 minutes de l'adresse IP de mes machines. Puisque ces adresses IP ont été un peu générées au déploiement par Terraform. Ceci étant réglé, nous sommes déjà à un peu plus de presque 25 minutes de stream. Tout va bien. The Bidouilleur qui nous propose amélioration à prévoir pour une potentielle PR lorsque Terraform voit un petit truc qui lui dérange, il veut tout supprimer puis refaire. Effectivement. Normalement, ça se configure avec les balises lifecycle qui décident de ce qu'il veut garder en état. Effectivement, ça pourrait être une bonne idée. The Bidouilleur. Tu pourras potentiellement ouvrir une issue et la mettre en mode genre, tu sais, un truc genre nice to have, feature request ou un truc comme ça. Merci beaucoup, Anistrix, pour le follow. C'est très gentil. Et salut à toi, cher Connet. Bienvenue. Bon, et ben, je pense qu'on est, tout le monde est arrivé là. Hein, j'avais juste un petit truc, le temps de faire patienter tout le monde. Vous êtes actuellement 24. Je pense qu'on va pouvoir s'y mettre, ou tout du moins s'y remettre. Puisque donc, si je veux bien ouvrir, hop, quelque part, hein, hop, voilà, Kubernetes the hardware. Donc ça fait déjà quoi, 3-4 épisodes qu'on tente notre chance avec ce truc. Et je crois qu'on commençait à avoir quelques petits soucis. Parce que, en fait, il y a un truc non négligeable à savoir, c'est que Kubernetes The Hardway, il part du principe, je vais zoomer d'ailleurs pour que vous le lisiez bien. Hop, voilà. Je vais le traduire en même temps que je le lis, hein, mais ce tutoriel part du principe que vous avez accès à la plateforme Google Cloud. Et comme vous avez remarqué, ben moi mes VM elles sont pas dans Google Cloud. Alors pourquoi ? Pour une raison très bête, c'est que j'ai fini ma période d'essai gratuit. Alors je devrais pouvoir me recréer un nouveau compte chez Google, tout ça. J'avais pas envie. Et je me suis dit en plus, j'ai une machine en local qui a l'air d'avoir la patate. Je vais pas vous remontrer les capacités de la machine, surtout que je l'ai légèrement encore gonflé récemment, mais toujours est-il que normalement j'ai ce qu'il faut pour lancer 6 ou 7 VM dessus. Donc je me suis dit allez hop, je lance le truc via mon propre hyperviseur et pas chez Google. Et on a de temps en temps quelques petites différences qui font que ça nous fait quelques petits soucis. Hey, merci beaucoup pour le follow pseudo-négligé. J'aime beaucoup pseudo-négligé. C'est le pseudo qui est négligé ou c'est la personne qui est pseudo-négligé? Ils auraient dû faire un tuto plateforme agnostique. Alors, pour l'anecdote, Charconnet, il y a pas mal de personnes qui ont forqué. Qui ont forqué le Kubernetes Hardware de Kelsey Hightower, donc l'auteur d'origine, ce que je suis en train de vous montrer à l'écran, que je vais d'ailleurs vous copier et coller dans le chat, comme ça vous pourrez le lire en même temps si vous voulez. Et je vais d'ailleurs rajouter dans les liens du live, même s'il y était déjà, mais comme ça. Si jamais vous rejoignez le Discord, vous aurez dans les liens du live normalement ce que je colle dans le coin. Et donc, en fait, il y a des gens qui ont fait des trucs un peu, justement, façon... En gros, il y a des gens qui ont fait, justement, avec d'autres hyperviseurs, notamment ce que je suis en train de faire avec du KVM Livirt, avec d'autres distribs, d'autres trucs. J'étais pas convaincu par ce que je voyais.
Donc je me suis dit, je vais tenter ma chance comme ça. Et le souci, c'est que, donc pour le moment, on en est à cette partie-là. Donc on a quand même déjà avancé pas mal de choses, hein, parce que normalement, la partie control plane, on l'a déjà. Je vais quand même aller revalider que ça a bien démarré. Puisque à la fin, normalement, on est censé avoir des petites commandes sympas. Hop, voilà. Et donc, si je vais ici sur node 0, voilà, j'ai tout un tas de choses. Et donc, si je fais ça, ce que je vais peut-être faire, c'est que je vais peut-être tenter un truc, hein, export. Non, il ne montrait pas un public. Public. Hop. Ah oui, c'est pour ça que ça... Hop là, voilà. Non, c'était pas ça, c'était pas le public IP address. Hop là, rien à voir par là, toi. Ah non, c'est Kubernetes public... Bon, oh, ok. Alors, on va faire un grep public... je vais faire ça, en fait. C'est bien ça. Hop. Oui, mais c'est pas grave. Ok. Alors, normalement, j'ai un Nginx qui tourne. Et de mémoire, on avait justement mis en place un load balancer Nginx en mode à l'arrache. ETC, Nginx, site, enable, default, et dedans, default SSL, voilà. Effectivement, on l'avait fait écouter sur le port 6443, sur toutes les IP, parce que justement, l'adresse IP publique, on l'avait collé ici en alias IP sur cette machine là. Donc normalement, si je reprends ceci, non, copie, hop, voilà, une fois, pas deux, voilà, et que au lieu de Kubernetes public adresse, hop, je mets ça, normalement ça passe, voilà. Et je me demande d'ailleurs même si j'avais pas voulu... Non, j'avais pas voulu faire des tunnels à la con pour essayer depuis mon poste. Mais c'était des... Ah si, je crois que j'avais essayé des trucs en tunnelisant... en utilisant... Ouais. Bon, bref. Pour l'instant, curl, ça passe plutôt bien. Ça place plutôt pas mal. Mais sinon, pour en revenir aux commentaires Charconnet, oui, c'est vrai qu'un tuto plateforme agnostique aurait probablement été sympa. Après, ce que je suspecte, c'est que donc pour l'anecdote, je pense que ce qu'ils se disent en fait c'est acceptable de le laisser comme ça, c'est que Kelsey Hightower, alors c'est pas indiqué, je crois, si, voilà. Donc il bosse chez Google. Voilà. Donc ce qui se passe, c'est que c'est un mec qui bosse chez Google, qui propose un tutoriel pour un outil développé par Google, puisque Kubernetes a été développé par Google, sur une plateforme gérée par Google, GCP, laquelle dispose d'un essai gratuit de, je sais plus, un ou trois mois, avec $300 de crédit, ce qui est largement suffisant par rapport à ce qu'il propose de récupérer comme, enfin, d'utiliser comme ressource. Donc dans l'absolu, la plupart des gens peuvent normalement, sans bourse déliée, faire leur Kubernetes the hard way, strictement en suivant la doc de Kelsey Hightower. Voilà. The Bidouilleur, la partie tunnel, c'était pour avoir kubectl sur... Non, c'était juste pour afficher les pages web selon le cas, si c'était nécessaire. Mais là, a priori, on fait tout via... Enfin, on utilise bien curl, donc ça passe. Donc ça marche. Et je crois que c'était tout. Hop. Donc maintenant, bootstrapper les worker nodes. Donc bootstrapper les worker nodes. Mais en fait, The Bidouilleur, je me demande si je confonds pas avec le stream de jeudi où j'avais fait un tunnel pour pouvoir accéder à des sites depuis mon poste, des sites qui étaient derrière des NAT. Charconnet qui nous dit, mais ouais, ça a l'air sympa, je devrais aussi regarder à faire ce tuto. J'ai utilisé Kubespray pour configurer
mon cluster sur Proxmox, ça utilise Ansible, mais pour moi c'est trop Blackmagic, ça configure plein de trucs sans trop savoir à quoi ça sert. Alors attention, Kubernetes The Hard Way, c'est vraiment fait justement pour voir comment ça marche sous le capot. Si tu veux juste utiliser du Kubernetes, oui, KubeSpray, KubeADM, voilà, ça fait le job. Hein. Il me reste encore justement à aller me servir de ce genre de choses. Je voulais d'abord, entre guillemets, commencer par comprendre comment c'est fait en dessous. Je pense que je me suis un peu lancé dans un truc un peu fou. Celles et ceux qui me suivent savent que ça doit faire, je sais pas, on est à plus de 10 streams sur Kubernetes là maintenant. Entre K3S, Rancher et Kubernetes The Hard Way, c'est de la folie. Hein. Combien de temps j'ai passé sur Kubernetes sans réussir à popper un seul conteneur, hein, je crois. Mais c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Hein, Kubernetes The Hard Way est à Kubernetes ce que Linux From Scratch est au distrib Linux. Hein. C'est très bien pour apprendre, mais voilà. Bon, les histoires de swap de mémoire, hein, on avait vu qu'il n'y avait pas de souci. Installer les workers. Ah oui, c'est ça que je voulais faire. Hop, donc là, c'est Node 1. C'est pour ça que je m'étais... Voilà. Node 4. Sèche Node 5. Hop, et sèche Node 6. Alors notez que je pourrais très bien aller faire joujou dans Tmux, je pense, pour me préparer ça, ce genre de choses, et réussir à les faire qu'ils soient en un tiers, un tiers, un tiers. D'ailleurs, je me demande si je peux pas faire un... non. Si je peux faire un set mouse de mémoire. Non. Si, voilà. Hop. Voilà. Et là, c'est bon, ça bouge plus. Ok, nickel. Parfait. Je savais bien qu'il y avait, une petite commande Tmux qui pouvait m'aider. Donc, ça, normalement, on l'avait fait. Ça, on l'avait fait aussi. Ça, on l'avait fait aussi. Configure CNI Networking, on l'avait fait. En fait, on avait tout fait, mais il y avait des blagounettes, il y avait des trucs qui passaient pas. Et je crois que on voulait regarder justement. Alors... Je voulais faire un petit status. Et a priori, il me dit quoi? Il me dit ici Active Running pour ContainerD. Sauf qu'il me dit. No CNI. Bon, ok. Mais le truc est running. Alors, je sais pas si c'est important. Mais là, le service kubelet. Il nous dit fail to contact API server when waiting for CSI node publishing node 4.manynodes.local is forbidden. User system.anonymous cannot get resource CSI nodes in API. Nanana. Ok. Donc là, en gros, il nous dit, au fait, on n'est pas en synchro par le reste. Et là, à chaque fois, il nous dit, au fait, ça passe pas. Et kubeproxy, a priori, il est running. Est-ce qu'il nous dit... Non, il nous dit un fail to watch. Je suspecte que ce soit lié à l'erreur qu'on a eue sur kubelet. Et bien entendu, si je fais pareil ici... Hop. D'ailleurs, je vais mettre juste kubelet en fait. Status kubelet. Hey, merci beaucoup pour ton follow, Lizwarp. Merci d'être là. C'est très gentil à toi. Alors. Et là, par contre, il nous dit juste Node 6 tout court. Oui, c'est vrai qu'on avait fait joujou sur le Node 4. On avait essayé de modifier des choses. Donc, on va aller chercher ça, en fait. En fait, le but du stream d'aujourd'hui, c'est d'essayer de comprendre un peu, d'une part, c'est quoi cette erreur. Et ensuite,
Et ben une fois que ça se sera fait, j'espère pouvoir... Alors je vous demande un petit instant, je voudrais juste copier-coller une bêtise ou deux ailleurs. Hop là là. Alors qu'est-ce que j'ai fait de mes affaires? Hop. Ça c'est fait. Donc maintenant, allons-y. Donc on va sortir un autre navigateur web, voilà. Et donc ce qui nous intéresse c'était de trouver enable, alors Kubelet, Failed Contact API, ça on va y aller un peu en mode goré. Hop, alors Kubelet publishing je crois. On va regarder ça sur DuckDuckGo, voyons un peu. Resolve work or not failure. Alors ça je me rappelle qu'on avait eu, on avait une blague, enfin la blague on l'avait vue la dernière fois, puisque c'est pour ça que vous voyez lui il dit juste node 6, mais le node 4 on voit bien qu'on avait écrit, ah oui c'est pas le même, hop, juste Kubelet, on avait vu que là, on l'avait. Il était où? Là, il a pas remis le. Ah, il a peut-être déjà. Là, il met que les derniers. Ah, si. Voilà, on avait mis un hostname override. Là, on l'avait mis. Parce que. Quand on a créé tous nos certificats, en fait. On a mis justement. Voilà. Nos certificats, à chaque fois, c'était. Node quelque chose. .manynodes.local. Donc je m'étais dit peut-être que alors non, c'est ça qui est dingue, normalement je devrais pouvoir m'y connecter comme ça, pourquoi il me dit no temporary failure in name resolution. Si je fais un resolve CTL en plus il me dit bien que current DNS server c'est ça. Et si je tente un dig at ça, et puis que je mets linuxfr.org par exemple, là c'est bon, j'ai l'IP. Ça, c'est ça qui est assez fou, c'est qu'il me dit temporary failure in name resolution, alors que pourtant, quand je dig le serveur DNS, il répond quoi. Et là, si je lui demande node4.mininode.local, il répond quoi. Voilà, il répond. Bref. Je voudrais juste m'assurer sur le node 1 avant, sur les autres nodes, les nodes de contrôle. Control plane. Il est censé me faire des systèmes CTL, je crois, à la fin. Juste m'assurer que la partie... Parce que ça, on l'a vu. Est-ce qu'on n'aurait pas des trucs du genre parce que là on a des autorisations. Alors, name Kubernetes. Donc en gros, a priori, enfin, si j'essaye de relire le truc, là, a priori, on a configuré des permissions. Et avant, qu'est-ce qu'on a d'autre?
Bon, ça, c'est les checks de vérification. Bon, ça, à la limite... Alors, juste par précaution, est-ce que tout ça, c'est bien fonctionnel? Hop là. Alors. Salut à toi, Cool Geek. Bref, comme disait Pépin. Bienvenue à toi, d'ailleurs. Il n'y a pas de souci, non, mais sors pas, Cool Geek. Reste dans le coin, ce genre de blague, ça nous amuse aussi. Authorization mode, node, virgule, airbag. Donc ça, les checks HTTP. Ah oui, d'accord. Alors, oui, on va voir ça. Est-ce qu'il y aurait un truc qui pourrait m'aider là-dedans? J'ai pas l'impression. Dans l'immédiat. Donc on va vraiment essayer de creuser cette partie airbag, en fait. Est-ce qu'il y aurait un truc qu'il aurait fallu que je fasse et que je n'aurais pas modifié? A priori, tout va bien. Salut à toi, Toada, c'est ça? Bienvenue. Ouais. KB vite. J'ai pas compris. Alors, parce que là il y a une histoire d'utilisateur Kubernetes, et ce que je me rappelle c'est avoir lu un truc quelque part en disant user system de point anonymous. Je sais pas si c'est lié. Bon, le load balancer, ça on l'a, on l'a provisionné nous-mêmes. Mais bon, a priori ça marche. Ensuite, si on reprend vraiment la partie worker. Parce que là, on a un cluster domain. Alors, est-ce que j'aurais un cluster.local quelque part dans mes confs? Ok. Est-ce que j'avais modifié ce fichier ou pas? Est-ce que j'avais mis autre chose que la conf par défaut? Hop, on est en read-only, attention. Anonymous enabled false webhook enabled true
20, cluster domain, cluster DNS 10.240.0.1. Si je fais pareil à ce niveau-là, bah, je vais avoir la même chose, modulo le... Alors, false true, ouais, c'est effectivement le même fichier. On parle le petit détail sur le pod CIDR, mais ok. Ok, soit. Et donc le service kubelet. Alors, c'est lequel celui-là ? C'est bien le service kubelet, hein ? Ouais. Il démarre. On a la config qui est dans var lib kubelet kubelet-config.yaml. Et donc j'ai mis un ok. Ça, c'est bien ce que j'avais. Le certificat, le serveur. Ah, le name. Ah. Alors, c'est quoi ce fichier déjà? C'est kubeconfig. Kubeconfig. Est-ce qu'on le fait à un moment? Ouais, on le fait en dessous. Et donc, on met... Ah, alors moi j'ai mis un nom quelque part. Context cluster. Ah non, on n'est pas dans MV proxy. Ah, mais je suis pas dans cube proxy là. Je suis dans kubelet et j'ai un cube config. Alors est-ce que c'est ailleurs qu'il faut le faire? Est-ce que par hasard on n'aurait pas... Alors... Set cluster Kubernetes the hardware, nanana. Ok. Et c'est kubeconfig instance.kubeconfig. Kubeconfig. Kubectl. Et on, normalement, chaque instance, ensuite on les a copiés. Ah, mais comme le truc il fait 7 contextes, 7 credentials, 7 clusters. Salut à toi, Yoda! User système de point node de la instance. Le son n'est pas fort. Alors si je rapproche le micro, comme ça c'est mieux. Et si je monte un peu ici. J'espère que c'est un peu plus fort pour toi Yoda et que c'est pas devenu... Je vais finir par me poser vraiment des questions parce que ces histoires de... Non, le micro, je l'ai bien mis à 200% sinon. Parce qu'il y en a toujours un, jamais le même. Un pour qui, un qui va me dire au fait le son est pas fort.
Et ça m'enquiquine pour vous, en fait. Ça m'enquiquine, franchement. Cube Controller Manager. Bon, ça, c'était... Donc, a priori, ce fichier-là... Et bien entendu, il n'y a pas un truc genre troubleshooting, smoke test, cleaning up. Oui, il n'y a pas de partie troubleshooting. Logs, exec, service. Non. Ah bah, comme d'habitude, Yoda, on essaye de conquérir le monde. Non, pardon, on essaye de monter un cluster Kubernetes. Je me suis trompé de stream. C'est pas le stream conquête du monde ce soir. Alors. À ton service. Ravi d'être de t'aider. Bref, alors, où est-ce que j'en étais moi? C'était pas celui-là, c'était... On remonte. Bootstrapping the Kubernetes Worker Nodes. Ok, donc... Tu vas s'ouvrir ça parce que si ça se trouve, ça peut servir. Donc ça, normalement, on l'a fait. Les coups des swaps. Ça, on l'a fait. Ça, on l'a fait. Ça, on l'a fait. Pod CIDR range. Donc ça, on l'avait vu. Entre conquérir le monde et K8S, je ne sais pas lequel est le plus compliqué. Effectivement, si conquérir le monde est plus compliqué qu'un cluster Kubernetes... Hein. Salut à toi Manon, bienvenue. Juste au cas où... tiens, je vais me connecter directement ici, juste sur Node 4. Hop. Voilà, comme ça je suis tranquille, hein, je suis route. Donc ça, a priori, 10-200-0024, ok. Bah oui, il y a de plus en plus de monde, et moi ça me fait bien plaisir que vous soyez de plus en plus nombreux. Crois-moi, ça me fait très plaisir. Je vais en profiter, puisque quelqu'un me lance la perche sur le monde qu'il y a. J'en profite pour vous rappeler de vous abonner à ma chaîne YouTube, dont vous devriez avoir l'adresse en faisant point d'exclamation YouTube ou point d'exclamation YT, je sais plus lequel. Je vais le tenter devant vous. Ah bah, Yoda m'a devancé. Et donc, visiblement, ça doit être YT. Ou pas. Alors, normalement, il y a un point d'exclamation socials qui, lui, va vous filer normalement toutes les adresses de mes réseaux sociaux. Voilà, celui-là il marche. Et vous trouverez notamment ma chaîne YouTube qui compte 417 abonnés. Hop là. À part ça, Manon, tu disais que tu es en direction de Paris, tu es dans le train. Tu es dans le train. Eh ben, je te souhaite un bon voyage, Manon. Point d'exclamation carte bleue. Alors, comment t'expliquer, Manon? Tiens, regarde. Hop. Hop, voilà. Non, en fait, en vrai, il est même pas, il est même pas valide. Alors, si on se met à essayer de vérifier les validités des numéros de carte bleue, on n'est pas au bon endroit et j'ai peur de me faire un peu taper sur les doigts par Twitch. Cool Geek qui dit que Google c'est le mal. Ouais, alors bon. C'est un peu extrême comme pensée. Google est une entreprise, hein, comme toute entreprise, ma foi, elle fait des choses bien et pas bien. Portugal 9, merci à toi pour le follow.
Je vous rappelle que le but premier d'une entreprise, c'est de faire de l'oseille. C'est ce à quoi ça sert. Et oui, 417 abonnés. Moi, je suis content, franchement. Hein. 417 abonnés sur YouTube, c'est chouette. Et on est à 621 followers. Hein. Du coup, Portugal 9, tu es le 621e follower. Merci à toi, d'ailleurs. Diaz Evil Corpse. Ouais, bah, c'est un... J'ai envie de dire, toutes les corps à différents niveaux le sont plus ou moins, puisque leur but, c'est de faire de l'argent. Enfin, si on part du principe que faire de l'argent, c'est vouloir faire du bénéfice, faire plus d'argent. Bref, là, je pars sur des trucs un peu... bref, c'est un peu... on s'éloigne de Kubernetes, en fait. Je sais même plus où j'en étais, moi. Donc, les workers binaries, ça, on l'a vu. CNI Networking, oui. Oui, K8S a été fait par Google, tout à fait. Alors, Pod CIDR, ça, on l'a, voilà. Donc, ça, a priori, on l'a bien comme il faut. Loopback, est-ce que ça, ça... Mais reste là, toi. Il y a ma souris qui fait des siennes, hein. Je sais pas ce qu'elle a, ma souris, mais... Hop. Loopback, jusque-là, tout va bien. ETC container D. Mais la question que je te pose, Cool Geek, c'est est-ce que Google est-il plus ou moins mal que les autres? Si Google c'est le mal et que K8S, est-ce que K8S c'est le mal? Ça va avec la conquête du monde. Hashtag complot facile, Manon. Hashtag complot facile. Ouais, ouais, Cool Geek, je pense que il va te falloir un chapeau en aluminium. Mais effectivement, etc container config.toml. Est-ce que du coup ça correspond aussi? Ça a l'air de correspondre. Donc le fichier, lui, il a l'air d'être bon. L'unité systemd pour containerd.service. Alors pareil, lui, il a pas de truc particulier. Donc normalement, multiuser.target. Non, on est bon. L'anagramme. Configurer le kubelet, donc ça normalement dans varlib kubelet, tiens on va aller regarder, on va vérifier qu'on a bien les bons fichiers, voilà, donc on est censé avoir un $hostname-key.pem et un $hostname.pem, donc j'ai bien un node 4, parce que si je fais un hostname, ouais bon, mais ça après j'avais fait un hostname override, je crois. Et normalement dans varlib kubelet kubeconfig, on est censé avoir notre fichier kubeconfig. Kubeconfig, ok. Et donc dans varlib kubernetes, j'ai mon ca.pem aussi. Ou pas? Ah non, varlib kubernetes, attention. Dans varlib kubernetes, j'ai bien un ca.pem. Ok. Et donc le fichier kubelet-config.yaml. Donc varlib kubelet. C'est bien ça, hein? Varlib kubelet, kubelet-config.yaml. Hop. Authorization mode webhook. Ok. Varlib kubelet. Donc ça, il est bon.
Et là, il est bon aussi. Donc déjà, il démarre bien avec les bons fichiers. Et si je vais regarder l'unité système D. Hop là, je suis trompé. Voilà. Donc là, on a bien. J'ai juste mon Osnheim Override. Mais normalement, tout le reste. On peut quand même vérifier que éventuellement ce fichier-là existe. On va vérifier que tous les fichiers existent, hein, au moins. Est-ce que. De toute façon, si ça, ça n'existait pas, on n'aurait pas ce message d'erreur, mais dans le doute. Hop là. Lui, il existe. Lui, il existe aussi. Le varun container des points soc, il existe aussi. Le fichier de config. Alors Yoda, c'est pas que ça démarre pas, c'est que le truc chouine qu'il n'arrive pas à s'authentifier. Je vais te remontrer le message. Hop, il est là. Juste le cubelet. Et en fait, le cubelet, là, il dit, eh, au fait... Voilà, failed to contact API server. When waiting for CSI node publishing. Et alors déjà il dit user system de point anonymous. Donc déjà. Et ensuite à un endroit il dit voilà. Node 4 main node is forbidden. User system de point anonymous. Cannot get resource lease. Enfin en gros il arrive à avoir aucune ressource. The namespace cube node lease. Ah, in the namespace cube node lease. Attends, là ça devient intéressant. Non. Alors, je pensais avoir vu ça quelque part. Alors, first time chat de El Longo de la Vegas. Salut, tu découvres cette chaîne. Alors, le sujet habituel. Alors, globalement, on a plusieurs sujets. Ça tourne généralement autour de l'administration système et réseau et un peu de DevOps. Là, on est en cours d'une série de streams qui ont lieu les dimanches soirs et qui portent sur Kubernetes, qui est un orchestrateur de conteneurs. Voilà, voilou, El Longo. J'espère que j'ai répondu à ta question. la douleur, la douleur Kubernetes. Ouais. Donc j'avais cru voir, hein, je me disais oui, in the namespace cube-node-lease, mais en fait cube-node-lease. Merci beaucoup pour le follow, El Longo de la Vegas. Merci à toi, c'est très gentil. Alors. Et j'étais en train de me dire, ce truc-là, est-ce que ce serait pas quelque part? Non. Non, 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 rien du tout. Rien du tout, du tout, du tout. Ok. Attends, je suis un peu perdu. C'était quoi? C'était... On avait parlé de... Cube node lease. Non, rien du tout. Var lib. Non plus. Bon. Bizarre. Bref, toujours est-il que j'étais en train de regarder pour
m'assurer au moins que les fichiers sont là. Ça, ça a l'air d'être bon. Et donc, dans var lib cube proxy, on est censé avoir un truc aussi. Ok. Son contenu. Est-ce que kubeconfig. Kubeproxy.kubeconfig. Est-ce que on les a quelque part? Kubeproxy.kubeconfig. Hop. Ok, donc on l'a. D'accord. Et là, en fait, depuis le... J'ai bien un admin.kubeconfig. Et est-ce qu'il n'est pas aussi... Si, je l'ai là, ici aussi, donc... No resources found. Et de toute façon, il m'a dit la même chose, hein. Bon. Donc, ça s'appelle pas The Hard Way pour rien. Effectivement, Rancune, ça s'appelle pas The Hard Way pour rien. Mais ce que je suspecte, c'est que j'ai dû m'emmêler les pinceaux quelque part dans les noms des machines. Et entre les histoires de, résolution DNS qui ont l'air foireuses. Parce que c'est quand même bizarre que si je tente un SSH node1.many_nodes.local. Il me chouine qu'il n'arrive pas à résoudre. Et si je fais un dig at 10.240.0.node1.manynode.local, il me le trouve. Et si je fais un resolve CTL, il me dit bien que le DNS serveur c'est 10.240.0.1. Bon, de toute façon, j'ai... ça assez bizarre. Ah bah tiens, j'ai les noms, les IP ici. Je me suis cassé la tête pour rien tout à l'heure. Ah mais même node 1 tout court, ça passe, donc... Mais c'est chelou ça. Pourquoi le SSH il passe pas? Je sais, je change de problème, mais... Mmh.
Il y a un truc pourri côté DNS, on dirait. Je suis tenté de vouloir faire un truc moche. Est-ce que vous avez une idée du truc moche que j'ai envie de faire ? Cubes qui vient d'arriver et qui prend le problème en cours de route. Quand tu fais ton dig et que ça résout, tu pointes bien vers un DNS. Par contre, quand tu fais... ce serait a priori, si je comprends bien, en gros, il y aurait un cache DNS via systemd. Ou alors c'est systemd qui s'occupe de la résolution DNS. Mais quand je fais le dig, effectivement... remarque, si je le tente... Voilà. Donc ça, ça passe. Et si je le fais à 127.0.53. Il me dit serve fail. Donc effectivement, je pense que c'est la configuration DNS de la machine qui pose problème. Alors je vous demande les deux petites minutes. Je commence à renifler. Je vais mettre une petite pause, comme ça vous m'entendrez pas me moucher. A tout de suite. Et me revoilà. Eh bien, tout à fait, Cubes FR, j'ai très envie de pas me prendre la tête et de tout mettre à la hardcode dans un fichier etc host. Je pense que c'est ce que je vais faire. Allez. Les solutions les plus simples sont parfois les meilleures. Je veux bien le croire. Après... Alors... Après, c'est vrai que bon. Hop, local. Le hardware viendra sur le. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 6, 7. Allez. Alors, heureusement pour nous, Yoda. Il y a personne qui viendra. Qui viendra gérer ça après. S'il doit y avoir une suite avec Kubernetes, ce sera très certainement pas sur ce cluster. Donc, le node 0, c'est la 101, normal. Ah non, c'est la 137. Hop. Donc ensuite, la 101. Ok, 101. Node 2, c'est 185. Node 3, c'est 171. Node 4, c'est 203. Node 5, 154. Et l'autre, c'est 174. Voilà. Si tu dois faire quelque chose de mal, dis-toi que ton successeur sait où tu habites et quelque chose que tu te dis souvent, Yoda. Ben, c'est une idée, hein. Non, mais c'est honnêtement, Yoda, c'est très bien ce que tu dis. C'est très pro. Moi, je suis. Non, tu ne l'as pas inventé. Mais en attendant, je trouve ça très professionnel ce que tu dis. J'aimerais que tout le monde ait ton professionnalisme.
mais parfois bah, il faut être un peu réaliste. Et tout le monde ne le fait. Nous, tout le monde ne pense pas comme toi, malheureusement. Il y a bien des gens qui se disent après moi le déluge. Hein, Ce que je suis tenté de faire, c'est un truc bien goré aussi. Alors, hop, c'est un. 6. Hop, playbook dans un GitLab, bien sûr, avec historique. Tant que c'est marqué dans le playbook et ou dans l'historique de pourquoi c'est fait comme ça, ça te va. Ok. Je pense, Elongo, que ça parle de playbook Ansible pour être complètement transparent. Node $i sudo reboot. Ouais, je reboot toutes les bécanes comme ça. Allez, hop. Sec 1-6. C'est une manière de voir les choses, Yoda. Et même pas de Molly Guard. Non, pas de Molly Guard, Yoda. Pas sur ces machines-là. Alors, pour celles et ceux qui se posent la question de ce qu'est Molly Guard, tiens, j'ai une petite idée. Sudo apt search. Est-ce que Molly Guard est dispo sur Ubuntu? Non? Il n'y a pas de Molly Guard sur Ubuntu? Non. Allez, on va aller plutôt essayer d'aller le chercher sur les paquets Debian. Voilà. Ah, c'est Molly-Guard. Autant pour moi. Voilà. Protect machine from accidental shutdown and reboots. Alors, en fait, qu'est-ce que c'est que ce super truc? En gros, voilà, c'est un script shell. Le truc dit que c'est un script shell qui va prendre, qui va faire un override, c'est-à-dire qu'il va passer par-dessus les commandes actuelles d'extinction et de redémarrage, et il va d'abord lancer un petit script, et ces scripts doivent se terminer avec succès pour que Molly Guard dise ok, tu as le droit d'éteindre ou de redémarrer ta machine. Et généralement, le truc par défaut, c'est de dire, c'est Molly Guard, quand il est installé sur la machine, il va dire, hey, au fait, tu penses que t'es sur quelle machine? Et donc, vous devez à la main retaper le hostname de la machine. Et si vous tapez pas le bon hostname, eh ben, la machine ne s'éteint pas. Le truc dit, ah, tu t'es gouré de machine, heureusement que je suis là. Et Yoda qui continue, qui nous dit qu'il croit que l'installation de Molly Guard est la première chose qu'il a installée sur tous les serveurs quand il est arrivé à $job. Alors, moi c'était déjà le cas, et j'avais jamais entendu parler de Molly Guard avant. Et on m'a dit que ça avait été installé parce que quelqu'un justement avait une fois éteint la mauvaise machine. Alors je n'en dirai pas plus sur les détails, et j'en dirai pas plus sur la personne en question. Bah, c'est tombé sur elle, enfin elle, lui en l'occurrence. Mais je disais elle pour la personne. Mais toujours est-il ça a un côté effectivement. Oups, on peut pas se gourer comme ça. Mais des fois, quand tu veux éteindre des machines assez rapidement ou à la chaîne.
Le truc qui vient de demander, eh, t'es sur quelle machine? Eh, t'es sur quelle machine? Et j'oublie un peu souvent comment le bypasser. Je crois qu'il y a des possibilités, mais j'oublie. Bref, alors... pourquoi ma VM ne démarre pas? Pourquoi l'hyperviseur avec plein de VM répond plus? C'est une histoire semblable, effectivement. Voilà. Note, ça marche avec reboot et... Oui, tout à fait. Tout, bah, le truc le dit, hein, toutes les commandes de d'extinction, redémarrage, même power off, cold reboot. Et même ce qui est marrant, c'est qu'a priori, tu peux même le faire pour le suspend et la hibernate. Donc là, le fait pour la machine de se mettre en veille en genre en suspend to RAM, suspend to disk. Je sais pas si ça parle à des gens ici. Non, c'est pas Runier Mundo que je veux faire. Hop. Voilà. Donc là, j'active juste la souris dans Tmux pendant quelques instants. Juste le temps de redimensionner les panneaux. Hop. Et je le garde pas activé parce que j'ai l'impression que des fois, le set mouse, ça provoque quelques blagounettes. Hein. Bien. Maintenant, la question, c'est sudo systemctl status... c'était quoi déjà? C'était kubelet, je crois. Hop, kubelet. Mon terminal ne supporte pas d'écrire. Il peut, si, cubes à faire. En fait, en plus, c'est indiqué dans la doc de Kubernetes Hardware. Tu peux faire des commandes en parallèle via Tmux. Hop. Tu peux le faire, t'as un petit set, set synchronize panes on. Sauf que je l'active pas par défaut, bien entendu. Alors, ouais, non, il me sort toujours la même erreur. Mais il y a un truc bizarre, là, le user system de point anonymous, je sais pas d'où ça sort. Chelou ça quand même. Hein. Je vous cache pas que c'est quand même un peu en train de me décourager. Hein. Peut-être Cool Geek, peut-être. Mais dans ce cas-là, je vois pas où est-ce qu'on pourrait le définir. Bonne chasse, Cool Geek. Merci de continuer à lurker, c'est très gentil. Je me demande s'il n'y a pas aussi cette histoire de DNS, parce que du coup, en termes de DNS, sur le fichier... J'ai très envie d'aller sur Node 0, d'installer genre un Unbound, et de mettre des trucs à l'arrache, mais... Parce que là, si je mets les trucs... Non, mais même pas Unbound... je sais même pas qu'est-ce qu'il essaierait de résoudre, là, en l'occurrence.
En dernier recours, le seul truc que je vois, c'est que je dois avoir un bug, il doit y avoir une erreur dans la doc, mais je refuse de croire qu'il y a une erreur dans la doc et je pense très certainement que le souci vient de moi, hein. Ah bah tiens, qui c'est qui avait parlé de que le guide devrait être plateforme agnostique? Non, c'est pas ça. Ah donc les mecs ouvrent des bugs en mode j'ai un message d'erreur, mais rien de plus. Oh, t'inquiète pas, Cubes, ça arrive à tout le monde. Hein. Ouais, bon, ça a pas l'air d'être en rapport, enfin, si c'est du Kubernetes comme question, mais ça a pas l'air d'être directement lié à... Bon. Les flags has been deprecated, tout va bien. Je me suis pas trompé, non? Je me suis pas trompé, ok. Ah, connect no root to host. Pourtant, il a des established. Peut-être qu'au début il n'y arrivait pas. Hein, slash note 4. Ah tiens, intéressant ça. Ah non, pourtant il l'a. Status failure. Ouais, ou alors, ouais, il me dit code 403 à chaque fois, donc j'aurais peut-être un souci d'autante, mais... Mais quel souci d'autante exactement? Alors, j'essaie de regarder un petit peu sur Google, enfin sur Google, non, sur DuckDuckGo. Alors, worker node failure to join.
Ça, ça a l'air d'être une histoire de... Ok. Après, c'était pas forcément le bon. Alors... C'était ça le mode. Hop, histoire mine. Ah tiens, je m'étais trompé déjà. Non, c'est pas toujours pas ça. Et là, non. Non, toujours pas. Ok, c'est vraiment pas la... Hop, on va essayer de modifier quand même le message d'erreur. On va enlever mes trucs. Même enlever les côtes, on sait jamais. Ouais. Je vois même pas où est-ce que je devrais lancer cette... Et puis moi, en termes de cluster rule, enfin, de toute façon, système de points anonymous, je vois même pas où est-ce qu'il est. Ah, le problème qu'il a eu, c'est version mismatch. Ok. Est-ce que... Je suis en train de me poser une question. Est-ce qu'il y a eu des commits récemment? Il a rien commité depuis mai 2021. Ok. Donc il a juste changé toutes les tous les numéros de version. Ah, puis on voit qu'il a testé parce que voilà. 20. Ok.
Ouais, ça ressemble quand même. Ouais, bon, donc en gros, ouais, il fait quand même un minimum de tests, on dirait. Bon. Bon, bah écoutez, moi, je vais être complètement transparent avec vous sur ce sujet-là. Je pense que c'est assez décourageant et que je suis en train d'envisager de lâcher l'affaire. En tout cas, sur Kubernetes The Hardway. Et que je pense que je vais vouloir laisser reposer le truc et retenter ma chance avec autre chose. Alors, peut-être pas tout de suite. Je vais repasser comme ça. Ah, il m'efface toujours les trucs, lui, là, sur le chat. Bon, tant pis. Ouais, donc, en gros, pour la faire simple, hein, aujourd'hui, moi, j'arrive pas à avancer sur le sujet. Visiblement, j'arrive pas à voir d'où vient l'erreur. Et c'est un peu dommage. Je pense que... enfin, je vais peut-être me garder les VM et le truc sous la main, et peut-être qu'un jour... Et peut-être qu'un jour, je vais allumer le truc à tête reposée, et puis je vais regarder, et puis ça va marcher. Je reste sceptique. Mais bon, on sait jamais, on n'est pas à l'abri d'un miracle. Mais en tout cas, je vais probablement... Ben, alors, KubeZFR, alors peut-être que K3S, je réessayerai un autre jour, mais j'avais déjà essayé. Et je me suis cassé les dents dessus aussi. Rancune, c'est pas mal. Je dirais pas que c'est un échec, je dirais que ça n'a pas marché. J'étais plutôt en train de me dire, je vais laisser le truc reposer. Je verrai ça peut-être reposer, peut-être un jour, hors stream. Je pense que en fait, enfin, je dois pas regarder dans la bonne direction. J'ai dû faire une erreur quelque part. Je pense que honnêtement, le truc le plus probable, c'est que j'ai dû me mélanger les pinceaux quelque part où il y a un truc DNS qui passe pas. Oui, c'est ça. Non, mais des fois, voilà, exactement. Il suffit de penser à autre chose et voilà. Ah bah tiens, salut Azram. Donc, à un moment, je pense que. Je pense qu'à un moment, faut peut-être arrêter de se, comment dire, de foncer, tête baissée, la tête dans le guidon. Ouais, ça tentait de faire du cube, Azram, mais je t'avoue que je suis en train de vraiment de me décourager sur ce sujet. Alors peut-être que j'essaierai des trucs un peu plus faciles à l'occasion. Mais je pense surtout que je vais vouloir les faire d'abord hors stream avant de les faire en stream. Je pense que tant que j'aurai pas réussi à me monter tout seul comme un grand à un cluster Kubernetes en solo, enfin en solo, je veux dire sans être devant la caméra, je pense qu'on reverra pas de Kubernetes ici. Je pense que je me. À force de les faire en live. Non mais c'est justement ça. C'est l'idée, ça va être de passer à autre chose. Et de comment dire de faire le truc à l'occasion ne baisse pas les bras. Déployer un K vitesse versus maîtriser un K vitesse, ce sont deux choses différentes. C'est très gentil, Cubes. Merci beaucoup à toi. Mais voilà, je préfère réessayer des choses de mon côté tout seul sans être devant la caméra. Et éventuellement vous montrer ce que j'arrive à faire en caméra quand j'y arriverai. Des fois c'est stressant le live. Bah oui, tu sais de quoi je parle, Rancune. Hein. Au calme, ça passera. Mais ça reste intéressant de me voir travailler et comment je réfléchis. Non, c'est vrai, il faut pas se dégoûter non plus.
qui a dit que cavité c'était facile? Ouais, non, mais je... Il y a des fois, il y en a, ils sont en mode « Ouais, c'est facile, regarde, clic, clic, clic !» Et puis des fois, même au montage sur des vidéos, je pense notamment à Network Chuck qui avait fait une vidéo sur K3S où ça avait l'air uber facile, et puis ça l'est pas tant que ça. Ouais, c'est facile quand ça tourne, c'est vrai. Alors bien entendu, pour le dimanche soir, j'aurai d'autres idées, parce que... Pour rappel, jeudi il n'y aura pas de stream et je sais même pas si le jeudi d'après je vais pas être occupé aussi. Donc il y a des choses, il y a des streams qui vont sauter dans les prochaines semaines. Normalement pas ceux du dimanche. Mais ceux du jeudi, à mon avis, dans les 3 semaines, il y en a 2 qui vont sauter. Donc déjà celui de jeudi prochain. L'occasion d'ailleurs de vous signaler donc, pour celles et ceux qui sont arrivés aujourd'hui, et que je remercie encore, habituellement, je stream les jeudis et les dimanches, et habituellement, je fais les jeudis 20h-22h, et les dimanches 18h-20h. Et les jeudis, j'ai tendance à faire joujou avec mon home lab, avec une sorte de maquette que j'essaye de vouloir représentative, de, on va dire, de l'internet mondial et convivial. Et le dimanche, jusqu'à maintenant, on essayait de faire du Kubernetes, de 18h à 20h. Globalement, de toute façon, les sujets des streams portent sur le sysadmin et le netadmin. Et de toute façon, ce sont, voilà, d'autres... oui, internet convivial, mais surtout l'internet mondial. Comprendre, en gros, j'essaye de faire des trucs qui communiquent entre eux via du routage BGP. oui, mais oui. Ça m'amuse de dire internet mondial et convivial. En dehors de ça, vous pouvez de toute façon retrouver les replays pendant 2 semaines, voire plus si vous avez lié votre Amazon Prime à votre compte Twitch. Si un jour tu fais IPv6, je t'aime. Ouais, alors, IPv6, écoute, c'est pas que je veux pas, mais vu comment je me suis cassé la figure sur Cube, je t'avoue que je vais y réfléchir à 2 fois avant de faire de l'IPv6. Ouais, de l'IPv6 avec K-Vitesse. Non, mais vous voulez ma mort, en fait. C'est ça, hein. Vous aimez me voir souffrir, messieurs Rancune et CubesFR, en fait. C'est ça, hein. Hein, avouez, hein. Vous voulez me faire souffrir. Oh là là. Hop. Remontez légèrement la chaise. Voilà. Mais oui, c'est pareil. Enfin, IPv6... C'est pareil, c'est un truc sur lequel, ouais, j'aimerais un jour y toucher, mais pour le moment, voilà, c'est le futur. Tu cherches un bon tuto pour t'y mettre. Ah, bah écoute, je suis preneur, hein. Je suis preneur, mais bon. Bref, voili voilou. Je disais donc, ouais, les lives normalement sont enregistrés et vous avez les replays d'une durée variable selon si vous avez si vous filez votre dîme à Amazon tous les mois et que vous l'avez lié avec votre compte Twitch. En dehors de ça, donc, bah, comme quelqu'un avait fait point d'exclamation socials en bas, vous avez du coup l'adresse de mon site perso. Possède du coup un lien vers tous mes réseaux sociaux. Vous pouvez me suivre sur Twitter, vous pouvez me rejoindre sur le serveur Discord dont l'adresse est de toute façon là-dessous. On s'y amuse bien, la preuve, Cam et The Bidouilleur peuvent en témoigner. N'hésitez pas aussi à aller liker et abonner les vidéos des replays qui sont sur YouTube. Au bout d'un certain temps, je les mets sur YouTube. Et puis, je crois que c'est tout. Et que c'est déjà pas mal. Dernier mot sur K8S de Cubes qui va nous dire qu'il trouve ça... Oui, plus facile de commencer avec un cluster tout fait, puis de descendre dans les couches de l'architecture. Ok. Bon, je note et je verrai. Je vais peut-être commencer par un truc effectivement plus facile.
mais ce sera pas en live, en tout cas pas pour tout de suite. Voilà, voilà. D'ailleurs, si jamais vous avez des envies particulières pour les prochains lives, bah, je vous invite à m'en faire part sur soit sur Twitter, soit sur le Discord. Je sais que j'avais monté à une époque, enfin j'avais mis en place un document sur Framapad avec des idées. Je crois qu'on avait complètement qu'on était complètement parti sur d'autres trucs. Moi, je sais que dans les envies que j'ai un certain nombre de bidouilles matérielles aussi que je voudrais faire, par exemple. Puisque pour l'anecdote, alors je sais pas si on le fera du coup. Alors, à mon avis, je pense qu'à ce moment-là, ce sera on modifiera les heures de stream. Mais j'ai récupéré ces dernières semaines un peu de matériel et je voudrais faire un upgrade de mon home lab. Donc j'ai récupéré une carte mère plus récente, j'ai récupéré des processeurs plus récents, j'ai récupéré des barrettes de RAM avec plus de mémoire. D'ailleurs, j'en ai mis un peu dans le home lab pour vérifier qu'elle marche. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Je suis tenté de vous proposer, pourquoi pas, de faire un petit interlude matériel. J'ai des laptops à réinstaller pour filer à ma famille. Je pense qu'on risque de faire un petit des petits sujets comme ça qui, je l'espère, seront plus courts. Alors maintenant que je l'ai dit, ça va durer 4 streams. mais en tout cas, je suis très heureux de voir que vous êtes toujours plus nombreux à suivre mes pérégrinations, mes aventures, parfois mes mésaventures sur ces différents sujets liés à l'informatique à l'administration système et réseau. Bien, sur ces bonnes paroles, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de week-end et un bon début de semaine. Je vais vous donner rendez-vous, non pas jeudi exceptionnellement, mais dimanche prochain, pour un sujet qui reste à déterminer. Et d'ici là, prenez soin de vous. Est-ce que par hasard... Non, on n'a personne à raider ce soir. Eh ben, il n'y aura pas de raid ce soir. Rancune, tu fais pas d'effort, hein, t'aurais pu faire un live. Allez, je vous dis à bientôt. Allez voir Rancune. Allez voir Rancune jeudi prochain, tiens. Vous faites ça à 20h. Normalement, s'il a pas déjà changé ses trucs, allez voir Rancune jeudi à 20h. Et sinon, je vous dis à dimanche prochain. Allez, bye bye. Ciao. Bye.